réparation pour que la réglementation soit appliquée à la règle pour que la GSMB redevienne ce qu'il était avant. Quelle est votre première opération à votre compte? Ma première opération en ce moment, elle est en train de... D'abord, je vais confier des tâches à chacun de mes camarades du comité pour qu'ils vont s'occuper d'une tâche. En ce moment, je suis un peu en train de travailler avec l'entraîneur Rémus pour essayer de déblayer un peu le terrain pour être dans la société par action parce que c'est un retard mêlé. Tous les grands joueurs, tous les joueurs qui ont le calibre, ils ont été pris, donc il ne reste pas grand-chose sur le marché. Là, on se démerde à gauche à droite pour pouvoir au moins assurer une équipe qui puisse jouer le match. On est en retard beaucoup, donc on ne peut pas dire qu'on va jouer l'accession alors qu'il y a un retard. Mais la préparation est plus marché d'un, il n'y a rien. On dit que vous ne pouvez pas ramener des Africains. Donc on va essayer de gérer avec ce qu'on a. On va essayer de repêcher les anciens joueurs d'Agrena qui font venir la GSMD à l'image de ceux qui ont pris la Coupe d'Algérie U21. L'intérêt des éléments à Ansina, Zaza, on va les récupérer parce que c'est des valeurs sûres et les renoncer avec l'équipe pour qu'ils puissent progresser. Rémus sera maintenu à son poste. Je crois que c'est la décision la plus sage parce que c'est quelqu'un qui connaît l'équipe. Et c'est une équipe liée, c'est des joueurs. Donc on ne peut pas aller ramener quelqu'un d'autre pour sinon ça va changer. C'est quelqu'un qui connaît son métier, il connaît l'environnement, il est dans la maison. Normalement, j'ai des garanties, que ce soit des autorités, de M. Loyer, de M. le président de l'APC, et même des actionnaires pour qu'on puisse faire redémarrer la GSM, qui nous est très cher. Madame, les supporters de l'Iraïd, le fait que je sais grâce à eux, parce que les gens qui ont actionné, les gens qui ont interpellé le Wali, qui ont interpellé le maire pour que les choses puissent avancer. Et je les remercie beaucoup, c'est pas les fidèles supporterés de la GSMB, que ce soit le comité de supporterés, que dans la discrétion, mais ils ont activé. Donc moi je leur demande une chose, d'être derrière leur équipe et de nous laisser travailler. Il ne faut pas qu'ils se mêlent de la gestion du club. Il faut qu'être l'indique.